Salam alaikum, chers. Wa au salam, wa retour Ça va, tu vas bien Ça va, Alhamdoulilah et toi Ça va, Alhamdoulilah. Bien de se retrouver. Ouais, franchement, ça fait plaisir. D'autant que bah, les retours sur le premier épisode, ça a beaucoup, beaucoup euh, plu aux gens. Donc, franchement, on est, on est très content de, des retours qu'on a pu avoir. Ça, ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est un format un peu. Enfin, euh, j'aime beaucoup en fait l'idée, genre le fait qu'il y ait ces discussions, genre qu'ils soient vraiment faites sur le moment, qu'ils soient filmés, etc. C'est mm. ce qui a beaucoup plu aussi euh, aux gens. C'est un peu proche des gens. Mm. Donc aujourd'hui, on est, on est réunis pour parler d'un sujet très important. Mm. Moi, un sujet qui me tient à cœur, tout particulièrement, parce que bah, je me rappelle en fait quand j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment plus profondément à notre belle religion qui est l'islam, à bah, la, la Fatiha, c'est quand on commence à apprendre la prière, quand on commence à apprendre toutes ces choses qui sont importantes, mm. c'est un sujet qui, qui revient puisque c'est la sourate qu'on est obligé de, de réciter à chaque, chaque unité de prière, mm. la sourate qu'on appelle la, la mère du livre. Ou euh, les 7 ou les 8 répétés. Il me semble que, que c'est de cela dont il s'agit. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'importance de, de cette phrase Alors, c'est pas 8, c'est 7. Après, ça dépend. Par euh... unanimité des savants, là, Après, la jaha 7 aya. Okay. Après, selon... oui, si tu comptes la basse ou pas. Mais il y a unanimité qui a 7, euh, au moins 7 okay. versets. Et on l'appelle, comme tu as dit, sabrum euh, mafani, C'est-à-dire celle que tu répètes euh, dans chaque raka de la prière, mmh. dans chaque unité, comme tu dis, euh, de la prière. Donc ça donne à peu près 17 fois, si jamais on ne euh, si fait que les prières obligatoires, qu'on ne compte pas les nafila. Mm. 17 fois minimum par jour pour le musulman qui est responsable. Donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à l'importance de, de cette sourate pour commencer Bismillahirrahmanirrahim, alhamdoulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin ashrafil mursalin, wa habibil rabbil alamin, Allahumma a'limna ma jahilna, wa zakkirna ma nasina, <sus> 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 Donc, ça on garde les bonnes habitudes. <'en plus genre. sus> Donc, la Fatia, littéralement en français, l'ouvreuse, c'est la première surate euh, qui est dans le Colan. Mais comme tu sais, le Coran, il a été révélé sur 20 ans. Et il n'a pas été révélé euh, chronologiquement dans le même ordre que le mousraf que le Coran qu'on récite aujourd'hui. D'accord Les cinq premières ayats de Sotar al-Arq, c'était ça le début, la révélation. Et, quand, hein. et donc la Fatiha, en fait, certains ils ont dit qu'elle a été révélée euh, quand le prophète il était à la Mecque, oui, en bien. le Salam. Certains savants ils ont dit qu'elle est, une... qu est mécoise, euh, Mekkiya. Et certains savants ont dit que la Fatiha, elle est Madaniya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée quand le prophète était à Médine. Et en fait, la vie qui est euh, correcte, c'est qu'en fait, elle est à la fois à Mekkia et à la fois à Madaniya. C'est-à-dire qu'elle a été révélée une première fois euh, à la Mecque, quand la prière a été rendue obligatoire. Et après, elle a été redescendue une deuxième fois, quand l'Arkribla a été changée. Euh, tu il y a un moment, euh, pendant plusieurs mois, où Dieu il a changé l'Arkribla des musulmans vers Jérusalem. Mmh. Pour que ça soit une épreuve pour les croyants et les gens du livre, et puis qu'on ça montre qui c'est qui obéit réellement au prophète Mohammed et qui c'est qui va se détourner. Et après, Dieu il a renvoyé la Kribla la à la carbe Mais du coup, euh, il y a une question qui me vient, je ne ouais. sais pas si, si tu as la réponse, mais du coup, avant qu'elle soit révélée, j'imagine que, euh, bah, que c'est la prière de nuit qui était obligatoire. Euh, comment est-ce qu'il faisait du coup pour, pour prier si la fachia, elle n'était pas encore. Euh... Alors la prière elle a été rendue obligatoire. Euh, quand on dit la prière t'a rendu obligatoire, c'est pas forcément les cinq prières. C'est-à-dire que la, la prière, elle a été rendue obligatoire, comme t'as dit, euh, de raka à la nuit. Ce qu'on appelait soit al-ratama. Mm. C'est l'ange Gabriel qui a enseigné au prophète Mohammed comment faire la prière. Et donc il priait, et puis il faisait d'autres prières aussi, la journée, etc. Et donc c'est la prière que le prophète, Ali, il faisait yes. avec Radija, avec Ali quand il était petit. Mais la prière qu'il faisait au début avec les compagnons obligatoire, c'était de raka à la nuit. Jusqu'à euh, l'année où il y a eu le 27 de euh, Rajab, l'année de l'Israël le miracle okay. du voyage nocturne et de l'ascension, où là le prophète dans les salam, il a reçu l'obligation des cinq prières. Du coup, ça a abrogé, ça a remplacé l'obligation de la prière de nuit par cinq prières, et la prière de nuit, cest à est devenue une prière sunna. D'accord. Okay. Tu vois mm. Donc, euh, eux, les savants, ce qu'ils disent dans le tafsir, c'est qu'elle a été révélée le jour où la prière a été rendue obligatoire ils n'ont pas dit les cinq prières tu vois. ils mmh. ont dit quand la prière était rendue obligatoire donc nous on récite la Fatiha les autres communautés euh, musulmanes qui étaient avant le prophète Mohammed comme on a vu tous les prophètes étaient musulmans eux ils récitaient euh, d'autres euh, choses dans d'autres langues, en hébreu, en araméen ils ne récitaient pas la Fatiha mais nous on récite la, la Fatiha c'est pour ça qu'on a beaucoup de surnoms, euh, la Fatiha on l'appelle la Shafia, la guérisseuse on l'appelle Ummul Kitab la mère du livre D'accord, il n'aura bas, c'est il l'appelait l'Assas. Il dit s'il il y a quelque chose qui t'atteint comme difficulté, alors avec Alors reviens à, à, à la base, la base du Qur'an, la Fatiha. Est-ce que c'est vrai si dans chacune des dans chacun des versets ouais. la Fatiha, bah en fait si jamais on développe le sens, et on peut retrouver en fait à, comment dire les, les sens, enfin, les thèmes qui sont abordés en fait dans la suite du Coran. Il y a pas mal de sujets ouais, que tu peux retrouver dans la suite du Qur'an après, la Fatiha, c'est la meilleure sorte du Khonhaine déjà. Et il y a beaucoup de secrets dedans. Des secrets De secrets, c'est-à-dire de, 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 de profits. Ouais, bon, ça, ça, en arabe, on dit ça, sir. Secret, ça ne veut pas dire euh, quelque chose. <laughs> ça veut dire en fait des, des particularités cachées qu'elle a. Euh, quand tu as appris, tu sais qu'elle peut être profitable pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Et ça veut dire, c'est comme des. Tout le n, si tu le récites avec une bonne intention et tu as reçu le n par transmission en récitant sur un cher et tu récites bien chaque lettre du n de son point de sortie, de son point de prononciation correct, pour chaque lettre du n tu as dit Hassanat. Et le prophète et il disait dans le hadith c'est rapporté qu'il a dit Voilà, aqul Alif Harf. Et je ne dis pas que Alif Lam, Mim c'est une lettre du n donc pour chacune des lettres que tu récites tu as dire tu vois dans la fatira il y a plus de 100 lettres euh, si on pas bien cent cinquante lettres environ après ça dépend si tu comptes le alif de Malikiidin mmh. ou si tu récites mmh. Parce qu'il y a mmh. 7, Mignons, euh, environ sept manières différentes de rester le, la fatira donc selon les manières des fois tu as des lettres qui s'enlèvent ou qui se rajoutent. Donc, tout le Qur'an, il a ce secret-là déjà. Mais après, il y a des sourates qui ont des secrets euh, supplémentaires. Euh, par exemple, la Fatiha, on l'appelle Shafi'a parce que c'est une sourate qui est très profitable pour la guérison des maladies. Par exemple, si tu es malade, tu prends mm -hmm. un verre d'eau, tu récites 7 fois la Fatiha dessus, mm -hmm. et après tu bois l'eau, et c'est une cause de guérison. Le si tu récites sur l'eau, c'est une cause de guérison. Tu vois, l'eau après, elle s'imprègne de la baraka du Qur'an. Ou si tu trembles mm -hmm. du coran dedans, okay. par exemple, tu vois. Et donc on l'appelle le chef, il y a Ibn Rabbas, il l'appelait Al-Assas. Ibn Rabbas, c'est qui compagnon du prophète, Al-Islam. Voilà, et c'est qui Et c'est celui qui avait la. Enfin, en tout cas, il était surnommé celui qui avait la meilleure compréhension du, du Coran. Tarjuman al-Kul'an. Surnommé aussi Hamr al-Umma. L'érudit de la communauté. C'était un savant moujtahid. Et c'est le cousin du prophète. C'est le fils de al L'Arabbas, il avait dix garçons. Okay. Le premier, c'est Al-Fadal. C'est-à-dire que l'Arabbas, l'oncle du prophète, on l'appelle Abu al le père de l'Fadal. Et Ibn Arabba, est parmi les dix garçons qu'il a eu. Okay. Et euh, il était petit quand le prophète est décédé, il n'était même pas encore pubère. Mais Trapal, en arrivant ici, on parlait dans la voiture que euh, certains enfants très jeunes, oui. ils ont de la science et tout ça. Mm. Lui, euh, très jeune, il a eu beaucoup de science. Et il avait sa tante euh, Maïmouna, qui était l'épouse du prophète, Arlé-Salam. Et du coup, quand le prophète, est dormait chez, chez la tante de Rabdon de Ibn mm. Lui, il observait le prophète chez sa tante et tout, comment il faisait la nuit il se lever, la prière, etc. Et le prophète, une fois, il se lever en pleine nuit. Il a demandé que c'est qui me ramène le wadou. Le wadou en arabe, c'est l'eau que tu pour le wadou. Mm -hmm. Et Ibn Arab, parce qui était encore tout petit, il n'était même pas encore pubère, et il arrivé, il a ramené l'eau pour le prophète. <laughs> et le prophète, tellement ça lui a plu, cette motivation-là, que même en pleine nuit, l'enfant, il se réveille pour apprendre des choses du prophète. Donc le prophète l'a serré dans ses bras, mm -hmm. et il l'a invoqué pour Ibn dit, wa C'est-à-dire, ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ où Allah enseigne-lui la sagesse, le hikmah, et le hikmah, c'est-à-dire aussi la science, mm -hmm. et l'interprétation du livre. Et mm -hmm. Dieu exaucé dans l'a exaucé, l'invocation du prophète. Du coup, il a été surnommé Taljoman al-Khol'an, Ibn Rabba, euh, parce que c'était parmi les compagnons celui qui connaissait le mieux le Khol'an, l'explication du Khol'an. Parmi ceux qui connaissaient le mieux l'explication du Khol'an. Donc lui, il a dit, la Fatiha, il l'appelait l'Assas, le fondement. Il a plein de noms, on l'appelle aussi euh, Sabrul Mafani celle que tu répètes, euh, donc les sept ayahs que tu répètes, euh, c'est-à-dire quand, euh, quand tu doubles la chose, quand tu la répètes plusieurs fois. Mm -hmm. Donc c'est les sept répé euh, répétés. Euh, euh, ouais. Répétés, quoi, ouais. Les sept ayahs que tu répètes. C'est pour ça que les savants de disent qu'il y a sept ayahs par unanimité dans la Fatiha. Mm -hmm. Après, la, la Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Chez les Shafirites, ils considèrent que c'est une aya de la Fatiha. Parce il y a un hadith rapporté par Abu Daoud euh, où le prophète il aurait dit que c'est parmi les aya de la Fatiha. Et chez les, Han, les Hanafites et les Malikites, ils considèrent que c'est pas une aya de la Fatiha et ils considèrent que la basmala dans le n, en fait ils ça s'appelle ça cest à dire c'est une séparation entre les sourates. Mm -hmm. Donc elle est dans le n, mais pour eux c'est euh, ce qui sépare en fait une sourate d'une autre. Mais c'est pas à proprement parler une aya de de la Fatiha. Donc chez eux, pour les Hanafites, par exemple, ils considèrent que c'est recommandé de la réciter à voix basse. Hmm. Euh, si tu récites une prière à voix basse, tu récites à voix basse, après tu commences en disant alhamdulillah. Chez les Malikites, il y a plusieurs avis. Certains ils disent que c'est déconseillé même de la réciter. Euh, euh, certains ils ont dit non, c'est recommandé, etc. Bon, l'avis correct, c'est dire que c'est recommandé. Et, euh, et avant de réciter la, la Fatiha, tu fais ce qu'on appelle la Tarawud, ou la Tarouit, la Roudbillah, Ibn al parce que dans le Coran, Dieu l'a dit. Dans le sens, okay. si tu récites le Coran, alors dit Arong Billah, euh, rajim okay. Tu vois, donc c'est-à-dire mm. avant que tu récites, c'est comme le prophète l'a dit, il va à Si tu veux manger, alors cite le nom de Allah. Ça veut dire que tu le cites après. Mm. Ça veut dire si tu t'apprêtes à faire la chose, tu dis ça. Donc quand tu récites la, la Fatiha, chez les Shafirites, c'est recommandé avant que tu récites Aaron et et chez eux, dans chacune des racquages de la prière, chacune des unités, mais plus prononcée encore la recommandation pour la première rakat. Alors que chez les Malikites, certains ils disent c'est déconseillé. Tu commences directement, euh, tu vois, euh, en disant Alhamdulillah. Alors eux, ils sont servis d'un hadith aussi euh, rapporté par Muslims, entre autres, où euh, certains ils, racontent, ils rapportent du compagnon Anas. Ibn um Malik le serviteur du prophète, sur la Salam, qui l'a qu dit, j'ai prié derrière le prophète, Salam, et derrière Abu Bakr, derrière Omar, et il, il ne disait pas Bismillah ir Ça c'est un hadith qui a été sortir par un Muslim, mais qui n'a pas été sortir par Al-Bukhari. Okay. Et dans la version d'Al-Bukhari, lui il a rapporté la version. Il commençait par Alhamdulillah. Okay. Donc ils se sont basés sur euh, ce texte-là pour euh, pour dire en gros que la basmala. En tout cas, les manichis, ça ne faisait pas partie du coup de. La Fatihah. Alors, les chaférites, eux, ils ont dit, ils ont plusieurs arguments. Mm. Ils ont dit, si, déjà, pourquoi elle est écrite dans la même calligraphie que le n si ce n'est pas du coran tu vois. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que ça as des aussi, je pense si tu vois, la Basmala, malade, la mettre en rouge dans une calligraphie koufique, par mm. exemple, et le reste, ils le mettre en calligraphie euh, euh, ouais, Nasser, ouais. tu ouais. vois, le Khotel Rothmani, calligraphie euh, osmanienne. Et, euh, et c'est pour ça aussi que des fois, les, les Corans que tu as, Selon mmh. les, les écoles, tout ça. Bah, par exemple, les Corans, selon Hafez, souvent, euh, ils, tu vois, la basmala est écrite en même calligraphie que le reste. Et ça, euh, les chavarites, ils ont dit si à l'époque du prophète, c'était considéré comme une simple séparation, ils auraient changé l'écriture, ils auraient distingué l'écriture de la basmala du, du reste du Koran, tu vois. Okay. Et toutes les sourates du Koran commencent par la basmala. Sauf une. Surah euh, at -taubah, Taubah, On l'appelle aussi C'est-à-dire c'est bah, le début de la sourate. Elle commence ouais. par le bara a. Bara a, ça veut dire en arabe quand tu t'innocentes d'une chose. Et soit ta que l'appelait comment al la dévoileuse. C'est une sourate. dedans, il y a beaucoup de jugements par rapport à l'apostasie, à la mécréance. Euh, elle a dévoilé les, les, les munafirin, ceux qui faisaient semblant d'être ouais. musulmans, et qui, dans le dos du prophète, ils se moquaient de la religion. Que, il, bah, du coup, Dieu, il a dit Voilà, il a dit si tu leur posais la question à ces gens-là, ils répondraient on ne faisait que jouer et plaisanter. Ça veut dire, dis-leur à ces gens-là, les munafiqines, est-ce de Dieu, de ses ayas, de son messager dont vous moquiez C'est-à-dire que la plaisanterie, la rigolade, c'est pas une excuse valable. Ne prenez pas ça comme excuse. Le fait qu'ils ont rabaissé l'islam, qu'ils se sont moqués du prophète ou de Dieu ou de ce qui symbolise l'islam, ça les a fait quitter l'islam. Ça, ça a montré au mm -hmm. prophète que c'était des gens qui n'étaient pas musulmans. Donc Ibn Rabbas, il me le rabat, le fort des Il y a beaucoup de aya qui parlent aussi euh, dedans, ça parle de certaines choses qui sont passées avec les monnaies le de Et en fait, cette aya cette sourate, soit al pardon, euh, elle a été révélée comme ils ont dit les savants, Nazalat bis Saif", elle est descendue avec l'épée. En fait, okay. c'est une sourate qui a dévoilé beaucoup d'ennemis de, de l'islam à l'époque du prophète. Et en fait, les savants disent que dans la basmala, tu as une signification un peu de miséricorde. Tu sais, Bismillahir mm -hmm. Rahmanir Rahim, mm -hmm. comme on lira tout à l'heure, Inch'Allah, Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux, et Ar-Rahim, celui qui est miséricordieux. Et dans la basmala, il y a cette notion-là de miséricorde, mm -hmm. de, de grâce accordée par Allah. Or, cette sourate, elle n'est pas descendue euh, en tant que miséricorde euh, pour les monnafirkines, elle les a dévoilées. Elle donc les a, a... Que... Ouais. Et donc, du coup, c'est haram. C'est interdit de la commencer par la basmala. Pas non. Tu vois mm. Donc là, tu vas dire, c'est quoi la séparation entre soit et soit mm. Mais en fait, pour revenir à, à la parole de Hanas, qui est rapportée par al bukhari du coup, le hadith qui est rapporté par al bukhari sa version à lui, c'est qu'il a dit ils commençaient tous par Alhamdulillah. Et soit bara'a, non, soit Tauba. Pourquoi mm -hmm. on l'appelle soit bara'a euh, Parce qu'elle vient dévoiler, justement, en fait. Euh... Parce que c'est. Euh, en fait, ça commence en disant Barra'a, tu Min que Dieu est, c est, c est innocent du shirk. Ouais. En fait, ça veut dire que tu as nommé la sourate par le premier mot de la surat. Soit tel moul qu'on l'appelle, soit Tabarak. Tu m'as dit que tu suivais les cours, tu as fait Si, as si, je je te rappelle le hadith rapporté du prophète, il n'a fait le Certes, il y a dans le Coran 30 aya, 30 versets, qui demandent le pardon pour celui qui les récite, jusqu'à qu'il le soit pardonné. Et c'est Tabarakallavi mm biyadi -hmm. et soit Et en fait, à l'époque du prophète, le prophète, en fait, c'est quand le Coran a été entièrement révélé au bout de 20 ans, Jibre s'alam mm -hmm. est venu voir le prophète, et chaque année, il venait voir le prophète, il révisait ensemble le Coran. Sauf la dernière année, il est venu deux fois, la même mmh. année. Et le prophète, salam, il a dit Wala arwa dalika Il a dit Et je pense que si j'ébrille cette année-là, il est venu deux fois, c'est que je vais bientôt mourir. En fait, chaque vrai. année, il venait voir le prophète et il révisait ensemble le Qur'an. Parce que le Qur'an, c'est très facile à apprendre, mais tu l'oublies très rapidement. Ça, le prophète, dans le Khalis, il a dit C'est très rapidement, tu oublies le Qur'an. Et le prophète, il les salam c'est pas impossible qu'il oublie une ou deux ayahs, mais après, bien sûr avoir transmis la révélation, hein, on ne parle pas avant. Il a transmis le Qur'an, mais c'est possible qu'après, euh, plus tard en récitant, il oublie une ou deux ayahs et après il s'en rappelle immédiatement, tu vois. C'est pas impossible. Et euh, donc, ce n'est pas haram si quelqu'un oublie le Qur'an. Ce qui est haram, c'est de ne pas appliquer euh, les préceptes du Qur'an, par exemple, tu vois, de Zobir Parce qu'il y a, il rapporte un hadith faux, à Billah, qui n'est pas conforme à l'islam. Qui dit soit disant que le prophète, il aurait dit il m'a été exposé les péchés, j'ai pas vu un péché plus grave que d'oublier le Coran. Quelqu'un, le prophète l'a dit al euh, an-Ummati, ou il a dit euh, plutôt ummati il il a dit euh, euh, Que Dieu il ne jugera pas ma communauté pour ce qu'ils ont fait de manière involontaire ou par oubli. Ou euh, sous la menace, la contrainte de mort et tel que cela. Donc quelqu'un ils n'ont pas dans le péché à oublier. Mm. <laughs> tu vois Mais certains savants, ils ont dit si le hadith c'est le sortir ça veut dire quelqu'un il oublie le quran, c'est-à-dire il, il n'œuvre pas, il a délaissé d'appliquer euh, la loi de l'islam. Mm. Après tout, le quran n'est pas que des lois. Le hein. Quran, il y a trois euh, grandes catégories dans le quran. T'as le de croyance, des histoires du passé, parce qu'il y a beaucoup de morale à tirer des histoires du passé, et des jugements religieux. J'ai donc... vu d'ailleurs qu'au niveau de la jurisprudence, ouais. hein, il y a à peu près 6235 versets au total, ou 6236, il me semble, ouais. et qu'il y a à peu près genre seulement 200 versets, genre en normes juridiques. On a 500. 500, ok. 500 aya qui parlent des lois, des jugements, ouais. et 500 hadiths qui parlent des jugements. Et le saint moujtahid qui fonde son école, comme le même comme Abou tout ça, c'est un devoir pour que ce saharm moujtahid connaisse toutes ces aya Et c'est les 500 ayas qui parlent des jugements, pour pas que lui, il donne un avis qui est contraire au au Jugement révélé, tu as oui. 500 hadiths, 500 ayahs. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que soit al l'ikhlas, qui n'est pas la meilleure sorte du Qur'an, mais que don, au niveau des récompenses, le prophète a dit <Sus> Ça ressemble à celui qui a récité un tiers du coran. On a vu tout à l'heure que si tu récites une lettre, tu as dit hassanat. Donc, celui qui récite mm -hmm. tout le Qur'an, ou un tiers du coran, il a plus de récompenses que celui qui récite une fois, soit à l'ikhlas, mais tu as beaucoup de récompenses à la réciter. Et donc le prophète l'a dit, ça, ça équivaut à un tiers du Coran parce que soit à l'ichlas. Parle de quoi Tito Hid. Qul Allah allahu ahad » Dieu est unique, Dieu est le maître dans l'absolu, il n'a besoin de rien, et tout le monde a besoin de lui. La mia ou la miulad, il n'a pas d'enfant, et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, ou la Miyakullah unkufuan had, et il n'a aucun équivalent. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas un être humain qui aurait des enfants, une femme, qui serait un corps, un volume, etc. Il est unique, d'accord On ne peut pas le diviser, etc. Il est indivisible et le maître dans l'absolu. Sans maître, c'est le maître. Celui dont tout le monde a besoin et qui n'a besoin de rien. Et bien, comme tu disais que la Fatiha, elle fait allusion à beaucoup de choses dans le Coran, du point de vue de, du tawhid et de la croyance, tu verras que soit à l'ikhlas, elle a rassemblé quasiment euh, mmh. toute la croyance quoi. musulmane. C'est d'ailleurs pour ça que quand les, les mouchtikines, ils ont posé à la question au prophète décris-nous ton Seigneur pour se moquer de lui. Dieu il a révélé carrément toute cette sourate sur le prophète Mohammed et il a répondu par ça. la sourate et après la jihad et c'est ça euh, l'attribut de mon seigneur azza dire que Dieu l'a dispensé de la réponse <laughs> carrément toute la sourate et donc comme le Coran il est en trois tiers trois tiers bien sûr éparpillés dans tout le Coran mais tu as un tiers ça parle de la croyance un tiers qui parle des histoires du passé des prophètes tout ça et un tiers sur les jugements juridiques mm -hmm. et donc euh, comme sont euh, al elle a englobé un peu toute la croyance de l'islam, elle a englobé un tiers du -e ok, C'est pour ça du coup. Tu as compris le sujet ouais, si, pas, pas, Et au niveau des récompenses, ça ressemble à celui qui, euh, qui récite un tiers du Qol-en. C'est pas exactement pareil. Hmm. Parce qu'il n'y a pas autant de lettres dans Soit Ali que dans tout le Coran. -e mais sur ta n'a plus de récompenses, on récite tout le Coran. -e Et donc la sourate qui ouvre le Coran, -e c'est la Fatihah, l'ouvreuse, on hmm. traduirait en français. Et ces titres-là de, de sourate, c'est Gabriel qui a révélé au prophète Mohammed à la fin de sa vie, donc on a dit il est venu deux fois. Et à la fin, quand le prophète euh, il a reçu les dernières sourates, etc., donc des fois il recevait des sourates entières, des fois des parties de sourates. Et même au niveau de la révélation, c'est possible que tu avais une partie de sourate qui est révélée à une époque, et puis la suite, elle est révélée des années après. Et après, c'est l'ange épril qui a enseigné au prophète comment rassembler toutes les sourates, dans quel ordre les mettre, et chaque titre des sourates. Mais souvent, à l'époque du prophète, le prophète, il nommait les sourates par le nom de la première aïe. Okay. Et du coup, c'est à la fin qu'il y a eu les noms euh... Et du coup, il y a la fin, quand le Coran a été révélé dans, cette... dans son intégralité, eh ben, le... après, le Jibril l'a dit, ça c'est soit Al-Baqara, al... d'abord il y a soit Al-Fatiha, Al-Baqara, etc. Et en fait, le prophète, alayhi salam, donc il nommait soit Al-Mulk, soit Tabarak, hum. soit euh, Tauba, il l'a nommé comment Soit Bara'a ouais, Parce que ça un... commence un... par Bara'a. <laughs> soit Al-Ikhlas, il l'a nommé comment Dit, que... <s analyse> <s analyse> du coup, il disait enfin, et par exemple, pour les. Et donc, une question toute simple <s> La <'analyse> fa tu la nommes comment Je te coupe, ah, désolé. Mais... <s 'analyse> okay. Bah, par la, la basse-malade, du coup. Non, la, enfin, la première aya après la basse-malade. Sinon, tu vas nommer toutes les okay. sorates. Uh, si toutes okay. les <'analyse> sorates <'analyse> commencent par la basse-malade et que tu nommes la sorate par la par La basmala, et vont tous s'appeler pareil. Ouais, donc bah, tu prends tu vois, par ouais. la première aya après la basmala. Ok, donc il l'a nommé Alhamdoulillah et Ok. Mais bah, du, bah, du coup, c'est par la première aya ou par le premier mot de la première aya ah, Par le début de la première aya. Ah, ok, ok. Ou la aya, en... ça dépend en fait, mais okay. souvent c'était le début. D'accord. Donc quand Mousslim, il... quand, quand al bukhari rapporte le hadith de Anas, Ibn Malik, hmm. qu'il a dit J'ai prié derrière le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. D'ailleurs, Abou Bakr, qui était le calife, bah, c'est-à-dire après la mort du prophète, c'était Abou Bakr qui faisait la prière, c'était le calife qui faisait la prière à Medine. Après, après euh, Romal, qui était calife, il a dit « et Tous, ils commençaient leur prière par Alhamdoulilah okay. ». Donc, euh, ça du coup, veut dire quoi Que les malikés, du coup, ils servent aussi de, de ce, ce texte-là pour dire que la basmala, ça ne fait pas partie de ouais. la fatia. Mais si tu as compris ce qu'on a dit avant, comment ils nommaient les sorates à l'époque du prophète Ah, bah, par, le, par le début du coup. Voilà. Donc, on Et donc, guillard, les javrites, ils ont dit, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils commençaient en disant Alhamdulillah. Hmm. C'est-à-dire commençaient par soit Al-Fatiha, qu'on appelle Surat Surat al Alhamdulillah. Okay. Al Parmi les noms de la Fatiha, il y a Al-Hamd. On l'appelle Surat aussi, al salah la, okay. la sourate de la louange, la sourate de la prière, parce que je récite dans la prière, de manière obligatoire, comme tu as dit. Hmm. Dans chaque unité, même si chez les maniquites, il y a plusieurs avis. Certains ont dit que tu récites dans la plupart des unités de la prière, certains ont dit dans la moitié des unités, certains ont dit dans une unité. Après, bon, c'est avis faibles hein, mm. qu'on évite d'appliquer, mais euh, est, ils ne sont pas tous unanimes que dans chaque arcade, tu récites la fatira Et de toute façon, chez les malikites, chez les Hanbalites et chez les Hanafites, euh, quand tu pries en assemblée, c'est l'imam qui récite à ta place pour les prières à voix haute. Et après, quand c'est à, à voix basse ou dans les arcades restantes où tu récites à voix basse, mm. comme tu sais, chez les malikites, c'est de la récite à voix basse. Alors que chez c'est obligatoire dans ouais. chacune des unités que tu pries à voix haute, à voix basse, euh, en assemblée ou non. Tu sais, ça, par exemple, je ne savais pas. Par exemple, quand tu es en cours, ouais. euh, je prie avec les frères à côté, je fais pas les sons de moi je suis un qui... Et du, du coup, je les entends vrai, réciter. Ouais, je les entends réciter alors que toi, genre, tu récites genre, devant. Moi, je ne savais pas que c'était une obligation, du coup. Oui, parce que Chaféry, il a pris le, le sens apparent du Hadith. La illa til kitab. Il n'y a pas de prière sans la Fatiha du livre. Okay. La prière n'est pas valable sans la Fatiha. Donc ça veut dire que pour les deux autres unités, euh, c'est plus une obligation. Là, dans l'école de Shafiri, que ce soit une prière Sunna, parce que ah, chez ouais, les ouais, maniquites, ouais. si tu fais une prière Sunna, ce n'est pas un devoir de rester à la fatira. Ah, ça, je ne sais pas. C'est Sunna. Il faut booster <laughs> dans ton institut, là. Il faut ça, <laughs> ça, pas plus de détails. Euh, ouais, chez les maniquites, c'est un devoir de rester à la fatira euh, pour la prière obligatoire. Et c'est tu sais que chez les hanafites, c'est une obligation de la prière, mais ce n'est pas un pilier de la prière. Chez les hanafites, il n'y a que six pieds dans la prière. Pour eux, c'est obligatoire que tu récites la faticha dans les deux premières lakas, mmh. mais ce n'est pas une condition de validité. Pour eux, l'obligatoire, c'est de rester du kolen. La pilier de la prière, c'est de rester du ont. Même auront... ce n'est pas la faticha. Mais euh, eux, c'est obligatoire dans l'école Hanafi, parce qu'ils font la distinction entre le pilier de la prière et l'obligation de la prière. Comme chez les, les manichistes aussi. Euh, tu as des choses comme courir en zone de pudeur euh, ils disent c'est obligatoire pour la prière. Mmh. Tu as des choses, en fait, ce n'est pas forcément euh, quelque chose, la prière, euh, sa validité, elle dépend de ça. Mm -hmm. Mais c'est haram si tu le fais pas. Mais après, un reste valable. Tu vois mm. euh, Par exemple, chez les, ma chez les, chez les mannequins si tu n'as pas ta zone de, de, de pudeur, je suis très fatigué, mais ta zone de pudeur couverte. Ouais. Euh, parce que la dernière fois, on avait des gâteaux, des trucs. <rire> <rire> je... Des babillènes. <laughs> <laughs> le budget est un peu réduit aujourd'hui. <laughs> je rigole. Et euh... Mais bon, voilà, même si on est fatigué, on... ça fait plaisir de se retrouver pour. Euh... Non, Podcast problème. tout ça, ouais. ça veut dire que c'est du live, c'est du direct. Ouais. Et en fait, euh, qu'est-ce que je disais Et donc chez les Hanafites, eux, ils considèrent que c'est obligatoire dans les deux premières rakas. Et même si tu récites autre chose du call dans les deux dernières, ouais. après elle reste valable. Ouais. Mais si tu veux sortir de la divergence, tu récites la Fatiha dans toutes les rakas. Tu vois Et vrai. chez les Shafirites, il euh, y a pas moyen quand tu récites la Fatiha dans toutes les rakas. Et après la sunna des sourates, c'est dans les deux premières rakas. Les, chez certains savants, c'est même obligatoire de rester les surates après la Fatiha. Dans l'école de Chaveri, c'est sauna. Chez les malékites aussi, je pense c'est sauna. Mais c'est une sauna très importante. Parce que chez les malékites, tu ne récites pas... Ou chez, chez les Hanafites, tu ne récites pas la sourate après la Fatiha. Considère que tu as manqué à, à la complétude de ta prière. Et donc, euh, tu compenses par euh, la prostration de l'oubli, ouais. etc. En tout cas, c'est là qu'on voit que vraiment, il y a... Enfin, même si les, les textes sont les mêmes, ouais. dans l'interprétation, bah es c'est euh, là que tu vois, euh... vois que tu as besoin des de remoucher